Boakye, ce n'est pas seulement des festivités musicales, il y a aussi un cross populaire qui va démarrer dans quelques instants. Près de 1000 personnes sont réunies ici au niveau du stade annexe de Boakye et dans quelques instants, les autorités vont donner le top départ de l'épreuve. On y va. C'est une belle vitrine pour la culture ivoirienne, la musique ivoirienne. Moi, je voudrais vraiment féliciter Assalfo et ses camarades pour cette belle initiative. Ça dure 15 ans. Boakye, on le sait, c'est pendant longtemps été le cœur culturel de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a longtemps que nous attendions donc, ce festival-là. Montrer que Boakye est de retour, ce qui est su maintenant de tout le monde, mais également avec le maire, tout notre engagement pour que la culture reprenne donc sa place ici à Boakye. On attendait, nous, depuis longtemps, donc le FEMUA. Maintenant, les conditions sont remplies. Je pense que le choix qui a été fait par Magic System et Gaou Productions n'est pas anodin. S'ils sont venus à Boakye, ils savent que Boakye peut répondre à leur attente. Et nous ferons tout pour répondre à leur attente. Grand merci de nous avoir mis au centre du monde avec cette participation directe au FEMUA 15. Parce que j'ai gagné la compétition. En tout cas, je suis heureuse. J'avais confiance en moi que j'allais gagner cette compétition parce que mon entraîneur m'a bien formée. Je suis venue participer parce que je tenais bien le moins à gagner. C'était chic, même si je n'étais pas le premier. C'était chic, on a couru les 5 km. C'est ça qui me plaît.